Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de super original. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la préfecture de police de Paris, il y a énormément de services, notamment des services spécialisés dans tous les domaines. Aujourd'hui, on va retrouver le groupe d'intervention et de protection de la DOPC. Vous connaissez déjà DOPC, il me semble, mais je pense que les collègues vous mettront l'abrégé juste en dessous. Et on va retrouver les collègues qui s'appellent les cataflics. Cataflics, pourquoi? Parce que ce sont ceux qui s'occupent des carrières, des souterrains de Paris. Suivez-moi. Merci de m'accueillir, c'est magnifique ici. C'est avec plaisir. On va passer une journée ensemble. Il paraît. Voilà. Le groupe d'intervention et de protection, c'est une unité qui comporte deux brigades. La brigade d'intervention qui sécurise les déplacements des personnalités en assurant des missions de point haut et des équipes de réserve d'intervention. D'accord. Ils viennent également en assistance des services de police judiciaire sur les interpellations domiciliaires. Ils sont également compétents dans le décrochage de banderoles et de manifestants. Et la deuxième brigade, c'est la brigade de protection, qui, elle, sécurise les déplacements des personnalités, mais au plus proche des groupes de protection des personnalités. Et ils ont une seconde mission, qui les occupe le reste de la semaine, c'est de sécuriser les sous-sols parisiens. En tout cas, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. On va pouvoir Très passer la journée là. Ensemble. Je vais vous remettre un écusson du service. Merci beaucoup. Voilà. Je vais encore faire des jaloux. Exactement. Vous allez être associé à nos équipes pour descendre aujourd'hui dans les carrières. Bonjour. Bonjour Juliette. Sylvie, il paraît, c'est ça? Sylvie, voilà. C'est avec, c'est avec moi que tu vas descendre en carrière. Cool, super. L'équipe est montée. Et donc maintenant, c'est à toi de t'équiper. Ok. La chose la plus importante. Le casque. Le casque, protection, lampe frontale. Parfait, on dirait qu'il était fait pour moi. Super. Allez, c'est parti, c'est le moment pour moi de descendre sous terre et de vous emmener avec moi. Suivez-moi. Donc là, ça fait quelques minutes qu'on est à l'intérieur des galeries. En termes de sensations, il fait super humide. J'ai les mains hyper moites. Il fait environ 12-13 degrés, donc il fait très bon, alors qu'on est en plein hiver. Et en termes d'atmosphère, bah écoutez, faut pas être claustro, ça c'est clair. Mais c'est super sympa, on a l'impression d'être dans les douves d'un château fort. Moi, je suis fan. Paris vient tellement en lumière qu'en 1774, il y a une catastrophe qui se passe rue d'Enfer, où en fait plusieurs immeubles s'affaissent sur eux-mêmes, c'est une catastrophe, hein, des morts et autres. Et là on prend conscience du vrai danger que sont les anciennes carrières de Paris. Ce qu'on va faire, c'est que vont être créées en 1777 l'inspection générale des carrières, l'IGC, hein, qui est toujours un service actif aujourd'hui, qui auront pour mission de cartographier le sous-sol dans un premier temps. C'est un travail titanesque. Et à chaque découverte d'anciennes carrières, anciennes salles, qui n'auront pas été comblées par les carriers, hein, qui vont laisser ça comme ça, ce sera soit de combler, soit de renforcer. Le chantier étant pharaonique, on va décider de créer des galeries d'inspection. Donc actuellement, là où on est passé tout à l'heure, ce sont des galeries d'inspection. Donc Alice, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi consistent vos missions au quotidien? Tout d'abord, en ce qui concerne les anciennes carrières de Paris, 90% du temps, on va patrouiller en fait dans le secteur. Pas ce qu'il faut... classique en fait. Exactement. Sur la voie publique. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une interdiction de circuler en fait dans les anciennes carrières de Paris. Donc on va rencontrer généralement des gens qui se baladent parce que c'est un lieu chargé d'histoire en fait. Donc nous, notre mission est de descendre en fait pour s'assurer que les lieux restent vides. Et après, on est aussi en affiliation avec l'IGC. On nous met en relation, par exemple, quand ils trouvent des endroits qui sont un peu creusés, parce qu'on a affaire à des gens aussi qui se permettent de faire des salles comme celle-ci pour pouvoir s'y installer et notamment faire des soirées. On a aussi un plan de recherche, par exemple, si des personnes sont perdues sous terre
Nous sommes déclenchés pour justement aller chercher les gens et puis pouvoir les retrouver le plus rapidement possible, en fonction des accès qui sont plus ou moins difficiles. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est hyper dangereux de descendre ici. Alors nous, on a de la chance justement d'avoir une descente avec un escalier en colimaçon qui nous permet de descendre en sécurité et d'être le plus rapide possible. Seulement, il y a des accès qui restent relativement dangereux, aussi bien pour les usagers qui n'ont rien à faire ici, qui se retrouvent avec des puits d'au moins 30 mètres, sans échelon, ou alors il manque un échelon à certains barreaux d'une échelle. Et donc oui, s'ils dégringolent, ils peuvent se faire très mal. Vous pouvez voir les gars en costume cravate le lundi, dans notre tenue toute pleine de calcaire le mardi, ils sont en civil ou en uniforme dans les TV le mercredi, enfin voilà, c'est vraiment hyper varié. Bah ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'eau. Si on est un peu chercheur en lave, on peut tomber sur des petits tracts comme ceci. Donc là, on a supposé en fait lundi 16 février aujourd'hui, ouais. 20h, salle cinéma, donc pas loin de la plage. Donc, ah, il y a une salle qui s'appelle cinéma. Exactement. Ouais. D'accord. Donc potentiellement, un petit regroupement de personnes pourra se retrouver là le lundi 7 février. Du moins, toutes les personnes qui sont tombées sur ce tract-là. Ouais, parce qu'au final, ça doit tirer un peu quand même entre les omoplates. Oui, après, c'est plus sur des soirées où on va être là pendant 4-5 heures à chasser pour le coup. Ouais. Où là, on fait que de courir, de trottiner partout, à esquiver les murs. Là, à la fin de la journée, on est rincé. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est plus des courbatures que des douleurs. Oui, voilà, c'est comme si t'avais fait ta séance. C'est ça. Ah mon dieu, faut pas être gros. Tu me vois? Tu t'en sors toi? Ouais, je m'en sors. Et franchement, ça se prend à une main. Regarde mon arme où elle est. Et du coup, vu qu'on est dans un lieu un peu atypique, est-ce que tu peux nous raconter une intervention ou quelque chose d'insolite qui s'est passé dans les catacombes où tu es intervenu? On tombe sur une belle soirée dans le 13e rang. Donc une soirée clandestine, on peut dire ça comme ça. Exactement. Donc on se dirige vers les lieux, donc généralement on laisse la soirée se dérouler un petit peu pour qu'on arrive en fait sur les lieux où ils ont descendu du matériel, par exemple table de mixage, ouais, de la sono, grosses tout ça. Enceintes, etc. Salle exiguë. Deux sorties, en fait on est 10-12 gars du Jeep en fait à intervenir là-dessus, donc on est obligé de scinder le groupe en deux, donc c'est un peu délicat. On tombe sur 160 personnes. On envoie une équipe donc en civil dont je faisais partie pour pouvoir se mêler un peu à la foule, compter le nombre de gens, comment ça se passe, est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce que produits stupéfiants, etc. Mmh. Le but, c'est justement de faire cesser l'infraction. C'est interdit d'être là, mais du coup, ils se mettent en danger, vu qu'ils peuvent être alcoolisés, ils ne savent pas comment remonter. Généralement, ils sont descendus par des gens qui connaissent, mais ils ne vont pas savoir remonter. Sauf qu'entre-temps, on a dû appeler des renforts, parce que la radio ne passe pas en bas. Donc deux groupes montent là-haut pour appeler les renforts de nuit. On se retrouve avec l'UMIP, les CI, les compagnies d'intervention. Donc une grosse mobilisation des collègues là-haut. Et ensuite, on vient la sortie des 160 personnes. Donc relevé d'identité pour l'amende, pour aussi les organisateurs de soirée. Parce que pour eux, ce sera inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon, on retrouve la sortie, celle que je t'ai montrée tout à l'heure sur le plan. Là. D'accord, ça c'est notre sortie. Tout à l'heure, on était là, je crois. Ouais, ça c'est une revenue sur deux pas. On a fait ça. On a fait gauche, on a fait ça. Ça. Gauche, deux pas. Ça. Ça fait mieux. Là, comme ça. Yes. Ok, là, on a tourné. Tac. Ok. Et bleu, c'est l'eau. Ouais, donc on est là. Voilà. À intersection. Ici, c'est le boulevard Saint-Jacques. Ah ouais. Ouais. Et après, c'est juste au niveau du mur, en fait.
Je reconnais cette entrée. Bien joué. Bien joué à toi. C'est bon, j'ai validé. C'est ça. C'est parfait. Super. Bon. Donc on teste dans les mains de l'expert de notre Alors, major. On t'a montré la mission. Oui. T'as vu ce que c'était. Tu nous as montré que tu pouvais nous ramener à la sortie. Alors, félicitations. Waouh, il est trop beau. Attends, la canne. Il faudrait remonter la canne. Toujours dans les galères. Oui. Ah, respire. Alors, fin de mission pour nous. Comme vous le voyez, on a donné notre personne. Je suis très très propre. Ma machine à laver va adorer. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.